Bonsoir, bonsoir. Comment que ça va ce soir? Je suis en train de me demander pourquoi j'ai pas fait l'étiquette entière en fait. Mais bon. On va laisser comme ça maintenant. Je sens que je vais regretter cette décision. Ouais, je sens que je vais regretter cette décision.
Putain, fait peur lui. Vive les chaises à roulettes. Alors. Ok, là au moins c'est écrit sur l'étiquette. Alors comme ça, on dessine ma main pendant que je suis en Corse. Ouais, c'est ça, tout à fait. Comment que ça va ces vacances? Très bien, pas trop chaud là-bas?
C'est quand même toi qui tiens. Merci Bob. Bob 67 ou je sais pas combien, 67 000. Je disais Astic, c'est quand même toi qui tiens le la potion de soin quoi. Cette carte, on est content quand on la trouve. Hein. Moi, je peux dire la dernière partie qu'on a faite, on était tous KO à un moment donné. La plage, il est à côté de moi en Corse. Qui c'est qui est à côté de toi en Corse? Le soleil? Franchement, la classe, le dessin. Merci beaucoup, Bob. Attends, t'as pas vu celui que je viens de terminer? Je te montre celui que j'ai fini cet après-midi. Bon, là, on verra pas grand-chose avec la lumière, mais. C'est la. Salut Dame et Bear. Ça c'est l'illustration pour la boîte de jeu. J'ai terminé cet après-midi. Ça va, ça a de la gueule. Ouais, ça va, hein. Bon, je suis emmerdé moi avec Twitch là. Parce qu'il y a l'Amazon Tax Central qui veut que je remplisse le questionnaire fiscal d'Axet. Mais si je fais OK, ils ont accès à toutes mes informations, blablabla, ça m'emmerde en fait. Mais si je le fais pas, je peux pas être payé. J'ai presque envie que tout le monde se casse de Twitch. Pour ce qu'il me donne comme thune. J'en sais rien, à mon avis, je dois arriver au 100 $ là, parce que tu sais qu'il te paye que quand tu es à 100 $. Au bout de 2 ans, j'ai été payé qu'une fois, donc j'ai gagné 71 € depuis que je suis sur Twitch.
Attends, je peux peut-être revenir à une hauteur qui correspond au dessin que je fais. Donc pour ceux qui se posent la question, ça c'est la main de Stigvenir, ici présent, qui fait la figuration pour le jeu. Un peu comme Coursia qui avait collaboré avec les bourses des points de commerce. Ou Tim qui avait aussi collaboré et plus récemment Manu qui a fait qui joue l'esprit frappeur. Comment t'es tombé chez moi, Bob? Raconte-moi. Tu cherchais des dessins sur le fil d'actualité et t'es tombé dessus ou t'es déjà passé lors d'un raid? Ça m'intéresse. C'est Bob qui est à côté de toi, d'accord. Je crois que c'était le soleil. J'ai pas réalisé que c'était Bob qui était à côté de toi. Quand je t'ai dit c'est qui est à côté de toi, le soleil, tu m'as pas répondu. Ok, ça a plus de sens du coup. Ça doit faire du bien, non, les paysages de Corse, là, ça change un peu de l'Alsace, non? C'est pas trop dur, le décalage horaire? Et là, t'as Bob qui est là. Le décalage horaire, qu'est-ce qu'il raconte? Et des chips, ça c'est bon, ça c'est un bon menu ça pour le petit déj. Bon, et Dame Hébert, elle va comment? Ça se boutique bien la santé?
Ah, ça c'est bien, c'est bon signe, effectivement. Et tu es prête à repartir au boulot? Psychologiquement, je veux dire. Est-ce que c'est un truc que tu as hâte de reprendre ou c'est un truc... Va le reprendre parce qu'il faut le reprendre. Je sens l'attaque pour le travail, du moins j'y crois. Ok. 2 mois plus tard. Oh putain, j'étais bien chez moi. Qu'est-ce que je fous là? Ah bah si t'aimes ça, c'est bien. Après c'est comme tout à mon avis, hein, ça dépend du travail, mais si t'aimes ton travail et que t'as moyen d'en reprendre un, hein, comme enfin dans ce que tu veux, c'est tout ce que je te souhaite. Du coup la guerrière naine n'est plus d'actu. Ah, je vois. Ah oui, je suis fier de toi, bravo. Je sais pas si on avait prévu de lui mettre la tête dans les mains, mais... Lui mettre sa tête dans tes mains, mais je pense qu'on pourra. Hein. J'ai fait ma pub sur Facebook.
Cool. Moi, je dois me trouver du temps et une amie qui veut m'aider à prendre les photos fin de semaine car je vais être en mode naine. J'ai mon grandeur nature. Ah oui, bah ça sera parfait du coup. C'est cool ça, merci pour la pub, Stig. Les gens vont tout de suite te reconnaître. Ce sera un peu mieux quand je vais faire le nain. Je suis à combien de cartes de faire le nain là, je vais te dire. Parce que malheureusement pour moi, il faut que je refasse une carte de monstre. Parce qu'on va mettre le leprechaun de côté et je vais faire un rat-au-pied sans poil géant à la place. On va garder le leprechaun pour l'extension avec l'elfe. Donc il me reste 1, 2, 3, 4. Encore 4 cartes. Non, 3 cartes après celle-là. 3 cartes après celle-là et j'attaque le nain. Donc là, ce sera un peu plus intéressant. On reconnaîtra un petit peu mieux la mystigue. Que je vais pas changer grand chose en fin de compte. Bah, je te préviens, ouais. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, il va y avoir 4 personnages de dessiner sur les cartes pour jouer à ce jeu. Il y a un archéen, un orque, un barbare et un nain. Et vu la tête de taurin qu'a notre ami Stigvenir, je lui ai demandé s'il voulait bien jouer le nain, qu'il a accepté. Donc c'est cool, on va voir un beau nain avec une bonne gueule de nain. J'ai mon pote Dieter qui a posé pour faire l'orque et son fils Yves qui va jouer le barbare. Ça va être cool. Et l'archéen est joué par un gars qui vient à mes ateliers que j'aime bien. Et il a une bonne tête d'archéen. Ah, Mathieu. J'aurais super envie de dire à un pote même, mais on se voit pas assez. C'est dommage. On se voit pas à côté des ateliers de dessin. Ouais, je l'invite à la maison. En tout cas, je vais le prendre en photo pendant les ateliers. Ça tombe bien, j'ai un Gladius en plus à l'atelier, donc il va pouvoir poser avec un vrai Gladius. Alors, par contre, cet après-midi, je me suis tapé un délire et en fait, il est resté collé dans ma tête. Et en fait, maintenant, je le vois plus autrement. J'étais en train de dessiner cette bouteille rouge, donc bouteille de potion de soin, donc hein, pour soigner dès que t'es blessé, quoi.
Et là, tout à coup, j'ai la pub de la tête qui me dit Mercurochrome, le pansement des héros. Mercurochrome, le pansement des. Et je suis là, putain, je suis en train de dessiner une bouteille de Mercurochrome. Et voilà, maintenant c'est coincé dans ma tête. Et tant pis, c'est comme ça. Et voilà, ça soigne bien le Mercurochrome aussi. C'est pas génial à boire par contre, mais. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait en Alsace, le mercurochrome. Ah ouais? Ah ouais, vous avez plus le droit d'utiliser ça au Québec? Ben, ça se fait encore. Je pense que le. Évidemment, la composition a changé. Parce que bon, le mercure est devenu interdit, bien sûr. Mais il y a toujours la petite lotion rouge à mettre sur les bobos. Jiffy, ouais, non, mais et la bouteille rouge est très très bien parce qu'on la reconnaît tout de suite, on sait dès le premier coup d'œil, on sait que c'est la potion de soin. C'est juste que ben j'ai ce truc là qui est venu tout à coup dans ma tête et j'ai dit ok. C'est bien que chaque potion que je vais dessiner soit très très différente les unes des autres avec des couleurs. Puis bon, le rouge en général. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que dans les jeux, les potions rouges, c'est souvent les potions de soin, non? Et Manu, re. Oui, troisième re. Bah, tu vois, j'étais en train de me dire, si c'est calme ce soir, je vais pas trop traîner parce que je suis fatigué, puis. En fin de compte, on a une belle compagnie ce soir, donc je vais sûrement me faire un stream normal. On a Dame Hébert. Ça se peut bien que la recette a changé, mais je devais avoir 8 ans quand quand j'en ai vu sur la tablette de la pharmacie. Donc je peux plus. Attends, j'avais une bouteille bleue aussi avec de la lisière de noix, mais ma mère m'a offert. L'a offert à Andoka. Ok. Non, mais de toute façon, la couleur, ça change rien. J'aurais très bien pu prendre ta bouteille rouge et la faire en vert, hein, ça n'aurait rien changé du tout. C'est les mêmes, laisser les mêmes effets à l'intérieur, c'est juste que j'aurais pas utilisé la même couleur, c'est tout. C'est surtout la forme qui est rigolote et puis du coup, bah, la couleur. Mais en fait, ce qui compte, c'est la forme de la bouteille. Après, moi, si je décide que la bouteille est verte, et ben, ou bleue, je la ferai verte ou bleue. Mais je pense que la bouteille bleue, je peux pourquoi. J'ai envie de la garder pour. Je sais que dans l'extension de l'apprenti magicien, il y aura une potion de mana pour récupérer les manas. Et là, cette potion-là, je la vois bien bleue. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un truc classique dans les jeux? Le mana en bleu, je sais pas. En tout cas, je visualise ça en bleu, donc je ferai sûrement une potion de mana bleue. Parce qu'à chaque fois que le magicien tire des boules de feu, il perd du mana, bien sûr. Donc pour ceux qui savent pas trop, le mana, c'est un peu quoi? C'est un peu la force magique quoi, que le magicien a besoin pour lancer des sortilèges. Donc quand il a plus de mana, il a plus de jus, quoi.
Ouais, elle me charrie parce qu'elle était là quand tout à coup j'ai réalisé que c'était du mercurochrome. Potion de mana, je la vois dans une bouteille un peu ronde avec un liquide lumineux. Une bouteille bleue avec un liquide lumineux. Puis on voit, tu vois, parce que là j'ai fait exprès d'avoir une bouteille assez simple en fin de compte, tu sais. Exprès pour que les potions qui ont un peu plus de pouvoir magique entre guillemets, parce que bon là c'est une potion de soin, ça pourrait très bien être, je ne sais pas, des. Un truc genre l'aspirine médiévale, tu vois. Bref, mais du coup les potions, voilà, les potions de mana, les trucs un peu plus magiques justement, un peu plus puissants, je les verrai dans, je vais les faire dans des bouteilles qui ont un peu plus de gueule, quoi. Donc je me garde des. Je me garde les belles bouteilles pour plus tard, en espérant qu'il y ait un plus tard. Mais normalement, devrait y avoir un plus tard. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai réussi à foutre la graine dans la tête de Sébastien pour les Kickstarter et on va en faire un, mais pour les justement pour les extensions. Je vais pouvoir mettre mes extensions, les présenter, expliquer un petit peu ce qu'il va y avoir dedans et tout. Et c'est sur les extensions que les gens vont participer ou pas. Donc le jeu lui-même, c'est Sébastien qui va gérer l'édition classique comme il a envie, à son rythme, au fur et à mesure que les gens achètent. Et on va laisser les gens jouer un petit peu pour qu'ils aient envie d'un peu plus, quoi, et on sortira les extensions sûrement l'été prochain. Ou... Par contre, ce qu'on va sûrement pas tarder à faire, c'est la prévente. Je pense que dès que j'ai fini de finaliser le visuel de la boîte, avec le logo dessus et tout, on va faire des cartes postales. Des chouettes cartes postales avec cette illustration-là, et avec un petit mot derrière et consigne et tout. Et en fait, à chaque fois que vous allez acheter le jeu en prévente, on vous enverra cette carte postale. Comme un espèce de cadeau en attendant, quoi. Et comme ça, en plus, si vous achetez le jeu pour quelqu'un à Noël par exemple et que le jeu n'est pas encore arrivé de l'imprimerie, au moins il y a quelque chose à offrir, tu vois. Ce sera marqué dessus, le jeu arrive, blablabla. J'ai trouvé de super bars à jeux à Strasbourg, j'espère que je pourrai leur présenter le jeu. Bah, t'as 108, tu pourras, ça c'est sûr. Si c'est pas décembre, ce sera janvier, hein, n'importe comment, parce que là, Sébastien a vraiment il a tellement l'intention que ça soit prêt pour Noël qu'il m'a demandé, c'est lui qui m'a demandé de faire l'illustration de la boîte en premier, parce qu'il sait que la boîte va être un peu plus longue à faire que le jeu de cartes. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'illustration de la boîte, pour qu'on puisse lancer la production de la boîte en attendant que j'ai fini les jeux, les cartes. Donc j'ai bien l'intention de ne pas être en retard. Et donc ben lui, il va s'en faire 100. Dans sa tête, ce sera pour les professionnels de la distribution de ce genre de jeu. Donc il va s'en servir de ses cartes pour
promouvoir un petit peu notre jeu, quoi. Mais bon, il m'a dit, s'il y a des gens qui veulent acheter le jeu, bien sûr, ils peuvent acheter le jeu. Et si j'en ai plus, genre, je vais en imprimer d'autres. Donc, à mon avis, je pense qu'il va avoir une petite surprise. Parce que... je serais pas étonné que... il y en ait déjà une bonne cinquantaine qui partent en vente directe, quoi. C'est pour ça que... on va faire une pré-vente. Comme ça, on aura une meilleure idée de combien il faut qu'on en commande. Et puis lui, ça lui permet aussi de voir que ben, y a une demande. Parce que c'est vrai qu'ils ne se rendent pas trop compte ben, que tous les gens qui me suivent depuis avril... ben, attendre que le jeu soit terminé pour l'acheter. Ben, 500, il n'a pas les moyens. Et comme il veut financer lui-même ses cartes, pour l'instant, il va partir sur 100. Mais si effectivement, ça part assez vite, il va commander 500. Si tu veux, il a forcément... c'est un jeu qui démarre tout juste. Bon, il ne s'attend pas à en vendre 500 tout de suite, quoi. Puis je ne m'attends pas qu'on en vende 500 tout de suite non plus. Mais si déjà, les 100 premières, elles partent vite, je pense que... ça va lui donner une bonne indication quand même. Parce que les gens qui vont acheter le jeu vont jouer avec d'autres gens qui vont sûrement voilà, être intéressés pour acheter le jeu, etc. Donc ça va faire boule de neige. Les gens veulent acheter le jeu alors qu'ils savent même pas quoi. Enfin, ils n'ont jamais fait de partie, ils ne savent même pas comment on joue. Dès qu'ils vont commencer à jouer, qu'ils vont se marrer autant qu'on se marre, forcément. Il y a des gens qui vont acheter le jeu juste pour avoir les cartes, quoi, en plus. Moi, j'ai hâte d'avoir un vrai jeu, parce que moi, je joue avec mes cartes imprimées en papier canson depuis qu'on a commencé à tester le jeu. Là, on va commencer à tester les extensions, c'est pour vous dire. Oui, bah oui, je me doute que des personnes comme Manu, etc., vont avoir un petit peu plus de mal à trouver des gens avec qui jouer. Ou voire même, c'est peut-être pas leur kiff. Mais par contre, oui. Récupérer des cartes pour les avoir, ça a du sens. Alors, est-ce que je vais réussir à dessiner tes petites veines, hein? On voit tes petites veines. Donc bah, s'il y en a d'autres hein, du coup qui ont envie de faire partie de l'aventure et de faire de la figuration dans le jeu, bah, pour le premier jeu c'est complet, mais il y aura des extensions, il y aura d'autres fantômes. Il y aura d'autres personnages. Sébastien voulait même faire un paquet de cartes avec que des personnages.
Donc après, c'est vrai qu'au niveau extension, il faut vraiment qu'on se réunisse, qu'on voit ce que. Et de sortir que des extensions qui. On sait que les gens vont les acheter, quoi. Tu vois. Si tu aimes le jeu, forcément, tu vas acheter cette extension. Donc moi, pour l'extension personnage, je suis pas. Mais bon, après, il faut voir avec les joueurs. Ils nous diront. Je pense qu'on va publier les extensions qui sont prévues, et puis voir avec eux est-ce qu'ils ont envie de voir sortir en premier, quoi. Peut-être que c'est ce qu'il faut faire. Peut-être qu'ils s'en foutent qu'on puisse jouer à 6. Peut-être que ce qu'ils préféraient avoir, c'est les catacombes en premier. Ou peut-être que les catacombes, ça les intéresse pas du tout. Mais ce serait étonnant parce qu'il y a des. Il y a des putains de bons objets là-dedans. Alors, on va remettre un peu de rose. Alors, il me faudrait un bleu clair. Un bleu clair pour les veines de monsieur. Pourquoi c'est aussi foncé? C'est fou ça, attends, ça je suis foncé. C'est tellement foncé que je vois rien du tout. Non, il se passe rien quand je clique là-dessus, c'est fou ça. Et bien on va faire comme ça. Alors, oui, c'est plus clair, oui.
Change un peu la couleur de ta main parce que elle est pas assez aventureuse. T'as pas la main assez aventureuse. Qu'elle soit un peu plus sale. De toute façon, il y a des grandes chances que ce que je fasse, c'est que même quel que soit le stade où j'en suis rendu sur cette carte, ce soir je vais la finir off caméra. Parce que bon, on avait dit l'autre jour, on a vu un fond, on les a tous vus quoi, donc je vais pas me retaper un fond en direct, c'est débile. Donc comme ça, dimanche. Dimanche, normalement, pas dimanche, qu'est-ce que je raconte? Jeudi. Jeudi, normalement, je stream toute la journée, donc jeudi, on passera à une autre carte qui devrait être la poudre à fumer. Que d'ailleurs, je vais utiliser une autre main à Stig pour faire la poudre à fumer, parce que c'est des espèces de... De boule, non, pas dimanche, jeudi, je voulais dire. Bon, je devrais streamer dimanche, de toute façon, parce que dimanche soir, normalement, tout le monde va se coucher, puisque le lendemain, il y a de l'école. Donc, je devrais pouvoir streamer dimanche. Attends, je vais faire une petite comparaison avec une autre main, voir où j'en suis. Hop là. Pas trop mal, pas trop mal au niveau de du contraste, on est bien. C'est juste qu'à l'écran ça a l'air vachement clair ici alors que ça ne l'est pas vraiment, mais c'est parce que j'ai rehaussé la en même temps. Je vais peut-être en rajouter un petit peu de rose à cet endroit là. Tac tac tac, il est où mon stylo? Il est là. L'avantage de l'illustrateur, je fais ce que je veux après du modèle. Si j'ai envie que tu as la main noire, tu peux même avoir la main noire. Ou la main verte, ou hein, si tu veux faire des progrès en jardinage, je peux te dessiner avec la main verte. Oui, bah c'est ce que je suis en train d'essayer de retrouver sur celle-ci aussi.
Bon, ben là, en même temps, sur seule image, c'est plus clair que sur le dessin. Par contre, c'est mon dessin de la boîte, là. Une fois scanné, c'est plus clair que le dessin en lui-même, par contre. Là, c'est le contraire. Alors, je suis emmerdé parce que je me demande si je ne vais pas le contraster numériquement pour qu'il soit plus... plus foncé, mais dès que je fais ça, du coup, j'entrave un petit peu la qualité du dessin. Dès que je monte les contrastes, du coup, j'ai toutes les hachures et tout se voient vachement plus. Et c'est moins joli. Je sais pas si je m'y connais assez pour foncer ce qui a besoin d'être foncé sans diminuer la qualité du dessin. J'aime bien commenter. Bon, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Parce que je pense pas qu'il y ait besoin de foncer plus. Hein. Allez. Non, on est bien. Hein. Ah, ma main à main nue, soit dit en passant. Non, on est pas mal. Ouais, on est bien. Vous verrez au scanner, ce sera plus visible. Ok, bon, bah on va attaquer le fond. Il est clair, 22h30. Un peu plus. Non, un peu moins vieille. Là-bas, toi. Oh, et ta main, elle veut pas tenir debout, Steve.
Ça doit être ça. Perturbation de la capacité à effectuer certains gestes et activités volontaires. Ce trouble des apprentissages résulte d'un dysfonctionnement de la zone cérébrale qui commande la motricité. D'accord. Et donc tout à ça. Ça peut l'air fun, hein. D'accord. C'est agréable. Oui, parce que c'est pas un truc, c'est un truc qui arrive comme ça, boum. C'est pratique. Enfin, c'est sûr que Charcot, il est malade, hein. On vit bien avec. Bon, on peut avoir le nez cassé, mais... On voit pas du tout ce que je fais, dis donc. C'est intéressant.
Bon, je suis content, samedi, je vais à la Vallée des Saints. J'ai les copains qui font un week-end médiéval pour les trucs patrimoniales, journée patrimoniale, comment on dit? Patrimoniale, oui. Donc, ben, ils vont faire un campement dans la Vallée des Saints. Genre, ouais, merci. La journée du patrimoine, c'est ça. Exactement. Donc, ils y sont vendredi, samedi, dimanche. Ils vont faire un campement médiéval et puis ils vont proposer des activités. Moi, je me suis retiré de l'association pour avoir plus de temps libre et pas être coincé ou. Tu vois, avec des obligations de machin de trucs. Donc. Mais là, samedi, j'ai du temps, donc je vais y aller. Je vais y aller en orque. Juste pour les emmerder. Oui, je me déguise en orque. T'es parti, Stig? Ok. Bah écoute, profite bien de tes vacances. Et je te dis dès que j'attaque ton portrait. Qui me sert de référence pour le fond. Ouais, celle-ci est pas mal. Il faut que je fasse tout marmouille. Oh, tu fatigues toi quoi? Réveille-toi.
Et les Sphanos. Hello, hello. Lurk mode. Bon, c'est bien, c'est plus clair, mais du coup, vous voyez pas ce que je fais. Donc, je vais remettre en mode un peu moins clair. Que vous puissiez au moins regarder ce que je suis en train de faire, parce que sinon, c'est ridicule. Thank you.
Ah, qu'est-ce que cette phase est emmerdante.
Je crois pas que je suis reparti à faire du fond.
Oh tiens, allez, Edin. Bon, alors, on va y mettre un peu de orange. Loin du compte encore. Hein. Thank you.
Non, bah, de toute façon là c'était pas du jaune, c'était du orange. Là c'est du jaune. Mais elle a jamais aimé le jaune de toute façon. Censé faire une heure de plus comme ça.
Thank you.
Thank you.
Ça va, personne s'endort. J'ai regardé un artiste au feutre aujourd'hui et je trouve que le dessin au stylo est plus impressionnant comme résultat. Bah écoute, en tout cas, moi j'ai plus de contrôle sur le stylo que sur le feutre, ça c'est sûr. Je pense que le feutre combiné avec le crayon de couleur, tu peux faire des trucs assez badass. Non, parce que crayon de couleur blanc, par exemple, tu peux rajouter des lumières si tu as un bon crayon de couleur, bien sûr. Si tu as un truc avec pas mal de pigments, tu peux rajouter du blanc, tu peux éclaircir une couleur, tu vois. Tu peux pas faire ça avec le stylo. Tu peux faire des dégradés, etc. avec. Fais tes aplats au feutre et après tu fais tes volumes au crayon de couleur, ça fait des trucs, on dirait du numérique quoi. Après, j'imagine que tu peux, hein. Tu peux combiner si tu veux, ça fonctionnerait, si ça fonctionne si tu écris au stylo sur du feutre. Et j'imagine que tu pourrais faire quelque chose du genre faire tes aplats aussi au feutre, mais pas compter sur l'éclaircir quoi, plus pour le foncer justement. Donc plutôt que de lutter contre ces le grain blanc du papier, que t'arrêtes pas de faire des hachures pour le virer, là t'as déjà là, t'as toutes tes hachures qui sont couvertes par le feutre. Ça veut dire avoir des feutres relativement clairs quand même. Pourquoi il y a des trucs que j'arrive pas à voir sur le devant moi? Le truc il est devant moi, je le vois pas, là, cette espèce de truc ici. Là. Ben, moi quand je le regarde, je le vois pas. Ici, là.
Thank you.
mal, là on est pas mal, on continue à descendre là.
Il est minuit. Bon bah écoute, on va peut-être la finir en fin de compte, hein. On pourra passer à autre chose. Thank you.
Après, j'imagine que ce serait mieux si ce serait ce jaune-là, mais ce jaune-là ne veut pas marcher. Pas mal.
Allez, zo. On s'arrête là. La potion de soin. Hop là. Voilà, 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 voilà. On va très bien. Une de plus. Bon, bah merci tout le monde d'être passé. Moi, je vais aller raider quelqu'un et je vais aller me pioter. Merci beaucoup, Manu. Moi, je vous dis à jeudi. Jeudi normalement pour le matin, l'après-midi et le soir, comme aujourd'hui. Et voilà. Hein? Et en attendant, passez une bonne nuit et un bon mercredi, un bon mardi. Et à très bientôt. Merci Dame Hébert. Merci Stick d'être passé aussi. J'ai regardé un artiste message de lui il y a longtemps. Ok, à jeudi, bonne nuit. Et à la prochaine. Bon courage pour trouver un nouveau job. Allez, salut. Okay, that's okay for a first pass. Now we gotta go over it again. We're gonna go darker this time.